Le jour, la couvaison est assurée à tour de rôle par les parents. La nuit, uniquement par la femelle. Après 15 jours d'incubation, 3 œufs sur 4 ont donné la vie. Ce petit migrateur nichant chez nous d'avril à juillet ne se risque pas facilement à découvert. Il est plutôt insectivore, mais consomme aussi divers fruits et baies. Plus petite que notre moineau, mais surtout plus élégante, se distinguant du mâle par son bonnet brun, la femelle a construit une petite coupe souple mais solide à 1,80 m dans une haie de laurier cerise. Sous la tête de l'oisillon du milieu, l'on aperçoit le quatrième œuf.
Inlassablement, les parents alimentent les jeunes affamés. Les proies capturées à proximité, parfois même dans la haie, sont apportées vivantes toutes les 3 minutes en moyenne. Le nid vide n'est pas une surprise. En effet, les jeunes fauvettes quittent souvent prématurément leur nid, parfois même plus tôt, lorsqu'elles sont dérangées. Plus étonnant, la coupe ne présente aucune salissure. Elle est intacte, comme au premier jour, ainsi que l'œuf non fécondé. Si je n'avais pas suivi cette nichée, j'aurais pu croire qu'il s'agissait d'un début de ponte.